La voix de l'Américaine à Washington, moi c'est Jacqueline Bélisère. Grand point cap dominé, actualité à réaction continue de tomber à travers le monde. Après président américain Donald Trump prend décision pour le reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. Majorité dans yo, c'est réaction négative. Et puis, dans Corée du Nord, autorité a lancé avertissement pour dire il y a un exercice militaire. Les États-Unis a fait ensemble avec Corée du Sud la cause y a un éclatement la guerre sous presqu'île Corée. Tourné, y a un fait réel. Et puis, dans le pays d'Haïti, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a une conférence pour la presse côté le dénoncer corruption. Conférence de presse a bail 3 jours après gros manifestation qui fait n'importe presse pour demander autorité au prend position sous question corruption cap saccagé administration publique là dans le pays d'Haïti. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Monsieur Dama, bonsoir yon l'autre fois encore. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer vous. Premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, déclaré jeudi, li pa gen aucun doute sous notion comme quoi plusieurs autres pays pral suivre les États-Unis, côté yon reconnaître Jérusalem comme capitale État juif là. L'autre pays sa yo pral faire même pareillement avec Washington, yon fois États-Unis fin transférer ambassade li gen ambassade li nan nouveau capitale israélienne. Monsieur Netanyahu dit gouvernement liyan prend contact avec plusieurs autres pays. Cependant, li pas cité non aucun la dayo nan discours li prononcé nan ministère affaires étrangères pays liya. Pendant ce temps, l'armée état hébreu a déployé plusieurs soldats en plus nan Cisjordanie, yon territoire occupé nan cadre sa yo rele préparatif pour n'importe nouveau développement bon côté population palestinienne. Décision président américain Donald Trump prend pour renverser plusieurs dizaines d'années politique américaine sous dossier Jérusalem nan soulevé gros critiques et spécialement bon côté leader palestinien. On a loué puis près l'autre réaction avec Lionel Demarat qui a parlé avec nous depuis salle des nouvelles. En pile observateur, parmi observateurs, ça y a gagné un chef d'État, chef gouvernement, leader politique, analyste politique. Fait qu'on est, y a pensé décision président Trump là, pral gain conséquence sur rapport Washington avec Moyen-Orient, puisque l'y représentait une date charnière entre relations entre les États-Unis avec monde arabe. C'est une date qui marquait commencement une période, alors que l'y marquait tout fin une autre période. Avant, et après reconnaissance ville Jérusalem comme capitale Israël. Président Trump lui-même t'a fait divers coups de fil dans le commencement journée 6 décembre non, pour mettre quelques leaders mondiaux au courant de décision là, même avant le t'a fait annonce l'IA. En pile observateur pensait décision ça pour avoir une mauvaise conséquence sur avenir rapport entre Washington avec Moyen-Orient. Parce que journée 6 décembre 2017 là, représentait une date charnière dans relation les États-Unis avec monde arabe là. Puisque, d'après observateur Sayo, l'IMA qui fait une période et l'y annoncé commencement ou l'autre période. Une période en vain reconnaissant Jérusalem comme capitale Israël et puis une autre période qui commençait avec reconnaissance ça. Président Trump lui-même t'a fait divers coups de fil dans le commencement journée 6 décembre, non? Pour le mettre quelques leaders mondiaux au courant des décisions liant, même avant le t'a fait annonce là. Parmi les leaders mondiaux, ça y est, nous joignons Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, président pouvoir palestinien Mahmoud Abbas, mon roi Abdallah dans la Jordanie, président de la République islamique d'Égypte là, général Abdel Fattah El-Sissi, et mon roi Salman dans l'Arabie Saoudite. Réaction après annonce la Maison Blanche fait pour le dire président Trump pour le reconnaître ville Jérusalem comme capitale pays Israël. Pape François exprimait gros quoi c'était le gagnant pour être président Donald Trump annoncé lui décider reconnaître Jérusalem comme capitale pays Israël là. Président pouvoir palestinien Mahmoud Abbas lance avertissement pour le dire décision ça pral gagner mauvaise conséquence sérieusement sur processus la paix entre Israël avec palestinien yo. Parce que palestinien yo considéré Jérusalem comme capitale du prochain état palestinien. Pour Corée, déclaration monsieur Abbas là, porte-parole Nabil Abou Nede dit n'a cité décision pour placer ambassade américaine dans Jérusalem, c'est une violation droit international. Et puis dans Jean nous dit ça déjà et n'a répété décision ça pas en accord du tout avec position non sous dossier israélo-palestinien. Fin de citation. Déclaration Naboud Abid Nedi, porte-parole président pouvoir palestinien Mahmoud Abbas.
Pendant le secrétaire d'État américain Rex Tillerson t'est trouvé sur le continent européen dans le journée mercredi, il te recevoir même message là dans mes responsables politiques étrangers Union Europe là, Federica Mogherini, qui dit Union t'a pyramide préserver solution qui prévoit existence de États côte à côte avec Jérusalem Ouest, capitale Israël, et puis Jérusalem Est, capitale un État palestinien. Ministre des Affaires étrangères Grande-Bretagne, Boris Johnson dit pays n'y a pas aucune intention pour le transférer ambassade britannique là de Tel Aviv à Jérusalem. Bon côté pal, gouvernement pays Turquie a annoncé la convoquer une réunion avec organisation coopération islamique là, une façon pour yo coordonner une réaction après changement président Trump annoncé dans politique États-Unis vis-à-vis statut ville Jérusalem. Enfin, leader mouvement palestinien Hamas lance mon ordre pour yo mander une autre intifada, c'est-à-dire un mouvement levé campé contre Israël avec intérêt israélien dans côté les territoires occupés, donc Cisjordanie avec Ban Gaza. Lionel Demarat, salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, Washington. Merci Demarat. Actualité a mené nous dans le pays d'Haïti. Côté Premier ministre là, Jacques Guy Lafontaine, renouvelé engagement gouvernement pour la bataille contre corruption dans l'administration de l'État. Dans une conférence pour la presse, Libaï dans Primature matin, Dr Lafontaine dénonçait émission en pichèque zombie dans toute administration de l'État. Locataire Primature là promet tout pour mettre l'ordre dans dépenses l'État avec façon et après recruter un nouveau employeur. Monsieur Lafontaine dit gagner toute gagote ça dans l'État parce que il a pas fait appliquer la loi. Monsieur Lafontaine bail conférence à 3 jours après gros manifestation qui était faite dans Port-au-Prince pour demander autorité en place avec parlementaire prononcer sous affaire corruption cap saccager administration publique là toujours dans pays d'Haïti commissaire gouvernement Port-au-Prince là OCNAM clamé Damius fait une visite évaluation dans pénitentiaire nationale là qui c'est plus gros prison dans pays là maître Dormeus a expliqué raison d'être visite ça. Moi, c'est chef prison yo. Donc moi supposé connait et de fait moi connait situation prison yo. Donc au général, c'est que nous connait gagner ça relé un phénomène qui c'est détention préventive prolongée. On va pas faire un coup classique là pour me ta dire mais qui cause li mais comment que n'a pas attaquer. Ça je me ka dit nous et autorités sensibilisées au plus haut niveau dans la question hein? Et nous venons nous-mêmes d'abord pour nous faire une évaluation parce que moi gagner et liste globale prison en même moi et actuellement moi gagne une cellule qui travaille sous qui gens qui moun qui méritait bénéficier travail que nous gagne pour nous faire en premier ça veut dire nous prenons par catégorie ça veut dire nous gagne un ensemble de moun qui condamné nous gagne un ensemble de moun qui dans détention préventive prolongée donc nous supposé travail sous deux catégories dossier ça yo pour nous voir comment pour attaquer détention préventive prolongée. Ne pas oublier tout maintenant période fête. Nous connaît commissaire gouvernement selon article 145 constitution c'est comme président république la gagné obligation prérogative pour surveiller à l'exécution et décision judiciaire yo. Donc personne qui placé en dans justice là qui pour faire travail ça pour président république là pour gouvernement général c'est commissaire gouvernement. Donc moi là puisque nous connaît constitution haïtienne là bay prérogative à président république là pour le capable faire ça relé grâce à des condamnés et non à pas des monde qui pas condamné c'est à des condamnés. Donc puisque moi même comme commissaire gouvernement moi gagne obligation pour me soumettre l'ISA à autorité qui pour permettre que fin année à président fait grâce moi te gagne pour me venir évaluer tout situation prison et visiter fiche signalétique en dans prison pour nous voir comment situation est et qui monde qui condamné pour nous pas cap tromper nous de dossier. Nous gagnons aussi en deuxième catégorie, c'est ça me dit nous question ouais qui gens pour me permettre prisonnier même gens dans la rue même gens avant journalistes même gens avec population qui yo même yo senti yo dans activité faite quel que soit gens situation yé et ben prisonnier tout nous devons dire yo prisonnier dans Noël yo dans Noël qui gens nous gagnons une cellule qui travaille qui pral identifier tout dossier que me dit yo là qui gagne des infractions mineures nous obligés
rassurez-nous que gagnez des gens là qui sont capables de bénéficier de la geste tribunal là, la geste commissaire gouvernement, pour être capable de chance, pour jouer une liberté, pour y aller passer fête avec famille. C'était Maître Damius, qui c'est commissaire gouvernement dans Port-au-Prince. Dans l'occasion deuxième assise coopération décentralisée franco-haïtienne, magistrat Kafoula Jude Edouard Pierre, qui c'est responsable fédération nationale magistrat dans le pays d'Haïti, FENAM, et bien, il te prend la parole dans la cérémonie d'ouverture là, côté l'encourager relation coopération décentralisée, ça entre élus deux pays, dans intérêt peuple. Entendez-le. Cet espace de dialogue et d'échange initié en 2009 a pour objectif de valoriser la singularité de la coopération décentralisée, de dresser un bilan des actions entreprises de 2009 à date, de partager les expériences de coopération existantes tout en encourageant de nouvelles coopérations entre les collectivités françaises et haïtiennes. Par souci de mettre les invités dans l'ambiance de cette solennité, il n'est pas superflu de reprendre cette définition de la coopération décentralisée. Il s'agit d'une forme de coopération internationale horizontale, comprenant toutes les relations d'amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre les collectivités locales d'un pays et les collectivités équivalentes ou non d'autres pays. Ce type de coopération concrète est centré sur des actions et les besoins les plus immédiats des populations et ouvre la voie à la consolidation des acquis de la décentralisation. Elle correspond à une nouvelle vision de la gouvernance, une nouvelle façon de faire face aux défis planétaires. En effet, si nos réalités sont différentes, nous affrontons les mêmes enjeux au niveau du développement local. Par expérience, aucun peuple ne peut vivre en autarcie. Fermer les yeux sur les problèmes des voisins ne garantit pas d'une sécurité réelle et absolue. Les changements climatiques, la dégradation de la couche d'ozone, le réchauffement planétaire, les maladies pandémiques et endémiques n'ont plus de limites à cause de l'interpénétration des peuples. Le monde se réduisant à un village, le malheur des uns peut affecter le bonheur des autres. Jude Edouard Pierre, c'est magistrat Carrefour. N'a propose avant de rentrer dans l'actualité à ce plan international. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, actualité à ce plan international. Corée du Nord et autorité au fait qu'on est, y ont exercice militaire. Les États-Unis a fait ensemble avec Corée du Sud la cause y ont éclatement la guerre sous pressile. Corée tourné y ont fait réel. Dans une déclaration, un porte-parole ministère des Affaires étrangères Corée du Nord a publié jeudi sous agence nouvelle l'État KCNA, lui posait question pour demander n'absité. Question qui était pour nous poser kounye là, c'est qui la guerre pral éclater. Nous pas souhaiter la guerre, mais nous pas courir pour lui fin de citation. Corée du Nord lancé avertissement ça dans moment un bombardier américain B1B t'a passé sous territoire sud-coréen dans cadre d'un exercice militaire qui commençait semaine ça entre l'armée américaine et l'armée sud-coréenne, avec participation plusieurs centaines d'avions de guerre, parmi eux gagné une grosse quantité dans la dernière génération d'avions de guerre qui relaient bombardiers stealth et une quantité autorité américaine pas jamais utilisée avant ça. Exercice militaire yo fait partie yon routine côté membre l'armée américaine et l'armée sud-coréenne fait entraînement ensemble chaque année. Il a déroulé une semaine après Corée du Nord ait lancé un nouveau missile balistique intercontinental puissant qui, d'après spécialistes, est capable de toucher les États-Unis. Lancement nouveau missile, ça, c'est une plusieurs tests régime Pyongyang réalisés ensemble avec une série de tests militaires. Ça qui représentait une violation sanctions internationales. L'autre point dans l'actualité internationale, là, dans la partie sud de l'État Californie. Ici, aux États-Unis, autorités ont lancé avertissement jeudi pour dire du fait sauvage qui prend en pile côté pral créer quelques conditions difficiles pour la population. Côté yon les sec que gros vent créé pral compliquer effort qu'a fait pour combattre en pile du fait forêt qui pété semaine ça dans l'État. Directeur général bureau et pompier État, en parlant de Ken Pimlott, déclaré n'a cité qui t'aime pas l'éclair pour me dire. Pas gain aucune quantité ressources ou matériel qui capable gérer qualité situation prévision yo annoncé.
Toujours dans l'international, là, dans le pays Turquie, président Recep Tayyip Erdogan déclaré jeudi, pas gain aucune nécessité pour un traité 1923 qui, entre autres, fixait plus lisière frontière pays Turquie avec pays voisin Lio. Monsieur Erdogan parlait comme ça pendant l'étape fait une rencontre télévisée avec président grec là, Prokopis Pavlopoulos, dans le commencement une visite deux jours l'a fait dans la ville Athènes. Leader grec là rejeté position collègue Tuklia et d'après lui, traité Lausanne méritait soit une révision, soit une mise à jour. Pendant monsieur Erdogan dans Athènes, il soulevait question groupe ethnique turc qui vivent dans la Grèce. Li longe doit surtout sous musulmans qui vivent dans la province Thracéo et puis li mandé est-ce que yo gen liberté pour exercer religion yo. N'en est pas le même, plusieurs millions électeurs prennent chemin bureau de vote pour jeudi à pour yo allager bulletin dans une élection historique, une façon pour compléter transition pays à faire dans direction bon gens démocratie. Vote jeudi à c'est deuxième et dernière phase d'une élection qui pourra le mettre sous pied officiellement sept assemblées provinciales et puis élu toutes 275 membres qui pourra siéger dans le Parlement népalais. Environ 12 000 électeurs dans la partie sud Népal pral lage bulletin dans deuxième tout jeudi à après partie nord pays a fin voter lui-même dans date 26 novembre passé. Nouveau assemblée pral élu à pral gain pour présenter loi qui gouvernait provinciaux. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. N'a pas mettre depuis Washington DC.